c'est 11h-20. On vient de faire une demi-heure de moteur, hein. Ça n'avait plus rien. Ça se relève, alors il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a 6 nœuds devant. On avance entre 2 nœuds 8 et 3 nœuds 1. C'est pas violent, mais fait ça avance. Il fait bon. Ça bouge un peu. Mais là, c'est un peu aussi tous les cargos à éviter. Il crée un peu de houle, mais bon. Cap, on est cap direct sur la couronne. Hein. Enfin, sur la bouée de carreaux déjà. Feu route. Ah, c'est pas violent. Hein. Alors ça traîne aussi. J'aimerais remonter autre chose qu'un sac plastique. On verra bien. Non, ça fait quoi, 10 minutes qu'on a redémarré le moteur. Voilà le coup au moteur. Et on fait ce qu'il y a. Il y a un petit 3 nœuds devant là, donc bon. On va voir. Et bon, ils avaient annoncé du nord-ouest hein, avec une houle de nord-ouest. Hein, c'était bon. Je comptais me mettre à l'abri la couronne et il y a quand même cette houle là de. De sud-ouest, je me demande ce que ça va donner, mais c'est pas bien grave, hein. De toute façon, est-ce qu'on va y rester. On verra bien. Le phare de Cap Couronne, on devrait y aller juste devant. La balise est et la balise de carreau là-bas, on va y passer derrière. Il y a des au fond, là, entre juste là. Derrière la bouée est. Et il faut passer bien au large hein, parce qu'il n'y a pas d'eau. À la balise de carreau. Voilà. Et on va aller là. De ce côté-là. J'attends un petit peu là pour prendre le cap direct. Là. Ça va le faire. Hein. Et voilà, le petit port de carreau. On est obligé de s'amarrer à l'avant, enfin par l'avant. S'il n'y a pas d'eau, ok. Ah, ils ont déjà remis les bouées, hein. Ils ne sont pas en retard. Hein. Ah, c'est bien, déjà début juin. Bon, il va y rentrer un peu là. On va voir à quoi ça ressemble là. Bon, c'est midi. Ça fait une demi-heure qu'on est arrivé. Au mouillage à la couronne, le phare de la couronne, le sémaphore. C'est un mètre de fond de sable, magnifique. Et là on va aller se baigner. Ah.
trop bien. Bon, à vélo, elle était bien bonne. On va manger un morceau avant de repartir. Parce qu'on partira vers 1h. Vers 1h30, je pense. Temps de faire route après. C'est 13h05. Ça fait quoi? Allez, 5 minutes qu'on est parti. On est déjà sous voile. Le mouillage est encore derrière. Hein. Il y a six nœuds devant. On avance à 3,5 nœuds. Ça siffle, mais je sais pas pourquoi ça siffle. Moi, il y a un bâtiment militaire là qui est en train de mouiller. Mais il y a le parc marin qui tourne là. Il note les noms des bateaux. Je sais pas pourquoi. On en saura plus tard, je pense. On est au pré là, mais au pré avec 6 nœuds devant. Ça va bien, hein. Même pas s'agite, je crois. Ouais, les voiles en ciseaux, il y a le vent en arrière, il y a un petit 7 nœuds, il y a un petit 7 nœuds et on avance à 3,5 nœuds, 3,6. On n'a pas l'impression, mais ça avance. On est aux 4 cheminées de Ponto, hein, grosso modo. Au fond, Cap Couronne. Oh, ça traîne, hein. Ça devrait être à la bonne vitesse et tout. Hein. Bon, par contre, je suis en train de cuire. Tu marches au soleil, là, les pieds qui brûlent, là, il fait vraiment chaud. J'ai la flemme de sortir le bimini maintenant. Il faut tout le ranger et tout, voilà, c'est pas la peine. Il y en a un qui nous arrive là. Hey! Là? La pilotine qui nous est passée derrière. Bah, parce qu'il y en a un qui arrive là. Depuis ce matin, c'est ça. On évite. Hein.